Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui on va faire une petite carte pop-up que j'ai trouvé plutôt sympa et donc j'avais envie de vous faire le petit tuto qui va avec. Allez, on y va, c'est très simple, vous inquiétez pas et en plus il vous faut très peu de matériel donc c'est ça qui est chouette. Donc ça fait très peu de gaspillage. Voilà, allez c'est parti, on y va. Vous allez avoir besoin d'un cercle. Qui mesure à peu près, hein. Après c'est pas on peut faire plus, hein. C'est pas un problème, ça peut être aussi une forme d'ovale. Moi j'ai pas de grand ovale, donc je fais avec un cercle qui mesure 9,5 et c'est un cercle qui me vient de chez Action, c'est un dice qui vient de chez Action. Ensuite il vous faut une bande de 3,5 cm par 14 cm. Ensuite, il vous faut deux bandes comme celle-ci qui mesurent 5 cm par 24,5 et une bande de 7 cm par 28,5. Voilà. Donc, je répète, 7 cm par 28,5, 5 par 24,5, il en faut deux comme ça, et une bande de 3,5 par 14. Alors c'est parti, on y va. On va commencer par prendre les bandes qui mesurent 5 cm par 24,5. Ensuite, on prend son plioir et on va faire des plis. Alors, on va faire le premier pli à 4 cm. À 6. À 8. À 10. À 12, à 16, à 18, à 20, à 22 et enfin 24. Et il vous reste normalement un petit 0,5 cm. Voilà. Donc à 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24. Voilà. Ensuite, avec ce papier, bien, il suffit de faire un petit accordéon. Donc vous allez prendre votre carré de 4 cm face à vous et tous les plis qui sont sur votre droite et vous allez faire vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche et là vous tournez votre projet, vous avez toujours la grande bande sur votre droite et vous allez faire la même chose vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, vers la droite jusqu'à avoir le petit 0,5 qui reste pour fermer votre petit accordéon. Alors on va mettre de la colle sur les 0,5 et venir rabattre sur le dessus des 4 cm. Voilà. On va obtenir un petit accordéon comme ceci. Alors hop, la colle, je vais mettre la colle sur les 0,5 cm. Et je ferme le petit accordéon. Voilà. Et on attend patiemment que la colle prenne. Et ça, vous le faites donc une deuxième fois avec votre deuxième bande de la même mesure, là, donc 5 cm par 24,5. Donc, je vais essayer de me trouver une petite pince. Comme ça, le temps que ça prenne, on peut faire autre chose. On prend la bande de papier qui mesure 7 cm par 28,5. Voilà la grande bande de papier. Et là, pareil, on va faire des plis. Alors, attention, je vais vous dire les mesures. Alors, donc sur les 28,5, on va faire un pli à 5 cm. À 9. À 14. À 19, à 23 et enfin à 28. Et normalement, il vous reste donc un petit 0,5 aussi à la fin. Alors là, il suffit... Hop, je vais enlever ça pour le moment. J'ai mis de la colle dessus, c'est pas grave. Alors on va marquer les plis, donc le pli qui est à 5 cm, 9 cm, 14, 19, 23 et 28. Et nous allons donner une forme d'hexagone à notre carte. Donc, hop. Voilà, ça va être une carte qui va avoir, hop là, cette forme-ci. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur la petite languette ici. Et on va essayer de coller à l'intérieur pour éviter de voir la languette, hein, qui n'est pas forcément très jolie à voir sur le côté extérieur. Donc on la colle à l'intérieur. On va attendre patiemment que ça sèche. Il ne faut pas être trop pressé. Hein, on va y aller tranquillement. Je le mets là sur le côté pour l'instant. Je reprends mes petits accordéons de tout à l'heure. Je pense que c'est bon. Ça a l'air d'être OK. Et là, donc, avec mes deux petits accordéons, mais je vais les coller l'un sur l'autre. Voilà. Donc la base ici de 4 cm. Je vais coller l'autre base de 4 cm dessus. Et on aura nos deux accordéons qui vont faire un effet pop-up. Alors, je vais vous montrer ça. On met de la colle, évidemment, donc sur la surface. Voilà, on attend que ça prenne bien. Hop, pourquoi pas remettre. Ouais, c'est un peu juste, mais bon, ça passe. Les petites pinces, voilà. Ici... c'est pas trop mal. Donc on va avoir, alors attendez, hop, normalement il y a deux surfaces identiques, il faut que je les trouve. Voilà, hop. Tant qu'à faire, hein. Voilà, il faut que vos rectangles se fassent face à face. Donc celui qui mesure 4 cm, me semble-t-il, voilà, 4 cm, il est au milieu. Le rectangle de 4 cm se trouve au milieu. Et là, sur les côtés, vous avez des rectangles de 5 cm. Voilà, 5 cm, 4 cm, 5 cm. Et pareil, du coup, de l'autre côté. Voilà. Donc vous allez avoir un hexagone comme ceci. Alors, je pense que c'est OK là quand même, non ? Bon, en attendant, on prend la dernière petite bande de papier qui mesure 3 cm et demi par 14. Alors là, le pliage est très simple. Il suffit de plier la petite bandelette en deux. Voilà, c'est tout. Et après, il ne nous reste plus qu'à assembler les papiers ensemble. Alors, comment ça se passe? Je vous explique. Alors, attendez, voilà, hop, je regarde si tout est bon, mais j'espère que c'est sec. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, comment on fait? Eh bien, rien de compliqué, on met de la colle ici sur la surface de 4 cm devant vous et la bandelette de 4 cm qui est derrière. On met de la colle des deux côtés. Une fois que vous avez mis la colle sur les deux surfaces, on va venir placer notre accordéon sur les rectangles de 4 cm au milieu de notre hexagone. Donc, hop, on met... Hop là, on y va tranquillement. Hein. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, non, vous n'allez rien voir. Donc, je vais le placer... à peu près au milieu, si je peux. Voilà, après j'appuie dessus. Alors, je vais essayer d'éviter de salir en mettant de la colle partout. Voilà, et nous avons notre petit pop-up, voilà, qui se fait naturellement. Voilà, avec ce petit accordéon à l'intérieur. Donc, on attend patiemment que ça sèche. Normalement, c'est une colle qui va prendre très rapidement. Donc, ça va aller. Voilà. Ensuite, la petite bande là qui mesure 14 sur 3,5. On va mettre de la colle. Hop là. Au niveau, au-dessus là de l'accordéon, de chaque côté, pour après caler le papier comme un chevalet. Comme ceci. D'accord? Alors, on met de la colle. On y va. Donc, moi, je mets de la colle directement sur la base de carte. Si la colle veut bien y aller. Voilà. Et après, je placerai le papier dessus. Voilà. Et je place la petite bandelette. Voilà, hop. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on attend patiemment. Quitte à mettre aussi, voilà, hop, des petites pinces. Le temps que la colle prenne tranquillement. Voilà. Et là, j'attends patiemment. En attendant, vous pouvez aller faire votre petite découpe de votre cercle. Voilà. Et ce cercle va se mettre ici. Mais je vous conseille de faire la décoration avant de placer le cercle. Hop, je vous montre du coup ce que ça donne au final avec la décoration. Voilà, parce que sinon, là, si je fais la décoration avec vous, ça va être beaucoup trop long la vidéo. Donc, je vous montre le résultat final. Voilà le résultat avec la décoration terminée. Donc, on peut le poser tranquillement sur un meuble, sur une table, etc. Et nous avons notre effet pop-up. Quand on le sort de l'enveloppe, ça, hop, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Et nous avons donc de la décoration qui est plutôt voilà, simple, hein, pas très compliqué. Hein. Il suffit d'enlever un demi-centimètre pour chaque espace. Donc ça fait 5 cm, donc on fait 4,5. Là ça fait 4, donc 3,5. Et là pareil, 4,5 sur 6,5. Voilà. Donc, et il en faut pour chaque côté évidemment. Voilà, voilà. Donc là, vous avez, j'ai utilisé les petits dies de chez Action avec les petits gnomes. Et il y avait également le petit sapin. Voilà, j'ai utilisé celui-ci avec ce petit sapin. Le petit panneau ici où j'ai marqué Happy New Year. Et voilà. Et j'ai utilisé un petit... donc j'ai collé un petit flocon qui me vient de Christine. Voilà. Je l'ai coupé en deux. J'en ai mis une partie en haut, une partie en bas. Et je trouve que c'est plutôt mignon. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas si je réponds un peu tardivement aux commentaires. Voilà, j'ai un emploi du temps très 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 chargé, donc je fais au mieux. Voilà, donc vous inquiétez pas. Allez, sur ce, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.